Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 25 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui de Prince of Persia et l'âme du guerrier. Et donc nous avions déjà fait les sables du temps, donc là nous allons changer, donc il est sorti après. Dans l'histoire ça se déroule aussi après, parce que l'histoire de Prince of Persia est assez compliquée à comprendre avec les remontées dans le temps, les bêtes qui le traquent. Donc là c'est parti, on va jouer à celui-là, donc l'âme du guerrier. Voilà, chargement. Assez rapide. Donc alors on choisit le profil, je choisis moi, on va faire une nouvelle partie. Donc il y aura peut-être une cinématique et puis je vais vous la laisser avant de commencer à jouer. Allez, c'est parti. Donc nous revoici sur le bateau après la cinématique. Donc apparemment quelqu'un nous en veut, hein. Le monstre nous a attaqué et là on se fait aborder par des sortes de monstres avec des masques. Donc voilà, alors c'est à nous de jouer, on commence direct. Donc on retrouve notre épée, on retrouve un peu nos mouvements, voilà, oula déjà. Donc pour l'instant j'ai envie de dire le but est assez simple, on va essayer de tuer les ennemis. Voilà. Ouais, voilà, c'est parti. Donc on a toujours les coups, on a des coups assez spéciaux. Alors là on arrive à les décapiter, ça on pouvait pas le faire sur.
on arrive à les prendre. Tout à l'heure on les a pris, on les a fait tourner autour de nous. Voilà, il y a toujours une histoire de sable. J'ai remarqué qu'il y avait une histoire de sable, regardez. Donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond dans cette histoire. Voilà, on va essayer de pas... Donc notre vie en haut à gauche, qui est représentée par un cercle. Un cercle entier. Avant c'était représenté par une ligne sur les sables du temps. On a toujours... il y a l'air d'avoir des sabliers, on doit pouvoir remonter le temps peut-être. Je n'ai pas vu... Je n'ai pas trouvé la touche. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a atterri dans le bateau. Bon, on boit un coup déjà. Ça, c'est toujours le même principe, on boit pour se guérir. Toujours pas mal. Hop là. Voilà, on leur fait du mal. Ils se transforment bien en sable, hein. Bien... C'est bien ce qui me semblait. Voilà, on avance. Pour nous montrer que le bateau défonce la coque. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à sortir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour l'instant, c'est l'animation qui joue, hein, toute seule. Hein. Donc on a l'ennemi là-bas, on a quelqu'un qui arrive derrière. Voilà. Il faudra faire mieux que ça. Donc voilà, ouais, je pense qu'il va falloir essayer d'accéder à cette dame là-bas, cette femme. On va aller la voir. Voilà, une fois qu'on aura tué tout, c'est bien. On fait ralenti. On se croirait dans Prince of Persia les sables du temps où c'est qu'ils nous mettaient des ralentis un peu partout sans savoir pourquoi. Tu crois ça? Tu ferais mieux de fuir. Ouais. Alors on va essayer de lui faire du mal. Oula, elle pique. Elle pique violent. Donc sa vie, c'est ce qui a l'air d'être en bas. Sauf qu'elle me fait beaucoup du momo, on va dire. Oula là. Eh ben, qu'est-ce que c'est que cet ennemi de fou? Tu as deux options. Courir ou mourir. Eh ben, je préfère courir. D'accord, donc là il y a eu une animation. Ça doit être par rapport à sa vie, je pense. J'ai déjà vu ça dans d'autres jeux. Par rapport à sa vie, je pense qu'on ne va pas la tuer. Alors. Là il y a un petit moment de jeu. Faut appuyer. Vas-y. Voilà, comme ça on lui fait un peu. Tac. On fait des petites roulades par terre, c'est toujours pas mal. Ça y était, ils ont gardé ça, mais. Encore mieux fait qu'avant. Franchement, c'est plus fluide que les sables du temps. Oula, elle m'a mis KO. Que se passe-t-il? Allez, une cinématique. L'endroit où les sables ont été créés, c'est là que le Maharaja a volé le sablier. Et si je pouvais trouver cette île? Le Maharaja aurait découvert des portails permettant de remonter dans le temps. Remonter... jusqu'à l'origine des sables. Quelque chose d'horrible arriva alors que nous traversions le palais du Maharaja. Vous avez trouvé les sables du temps. Pire, je les ai ouverts. Quiconque libère les sables doit mourir. J'ai été forcé de tuer mes compagnons d'armes, ceux que j'aimais. Mais à présent, cette invincible bête te traque. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment peur. Et tu vas mourir. À l'aide des sables, j'ai inversé le cours du temps. J'ai fait en sorte que le sablier n'ait jamais été ouvert. La bête, le Dahaka, assure l'équilibre du temps. Or, tu devais mourir. Il te rattrapera et fera en sorte que ta destinée s'accomplisse. Je préfère essayer qu'attendre la mort ici. Folie. Même si tu réussis à atteindre l'île, tu devras affronter l'impératrice du temps.
Je remonterai le temps. J'empêcherai les sables d'être jamais créés. S'il n'y a plus de sable, le Dahaka cessera de me traquer sans relâche. Pars, va, mon prince. Mais sache que l'issue de ton voyage est sombre. Ton destin est scellé. Tu ne peux le changer. Personne ne le peut. Et c'est sur cette cinématique qu'on arrêtera Prince of Persia, l'âme du guerrier. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.